Salut tout le monde les gens. Pour le record d'aujourd'hui, on va vous parler d'escalier et plus précisément l'escalier le plus grand du monde, celui qui a le plus de marches. D'habitude sur YouTube, quand on parle d'escalier, on voit plutôt ce genre de vidéos de chute. Ou bien celle-là. De temps en temps, des documentaires sur des escaliers insolites, comme celui à double hélice de Léonard de Vinci, ou des escaliers sans fin comme celui-là qu'on peut voir à Munich. Mais ici, on parle de records du monde, alors entrons dans le vif du sujet. On se rend donc en Suisse pour découvrir l'escalier le plus long du monde, près du lac de Thun. Plus précisément sur les flancs de la montagne Nisen, aussi appelée la pyramide suisse à cause de sa forme pyramidale comme vous pouvez le voir sur les images. L'escalier qui nous intéresse aujourd'hui est celui qui longe le trajet du funiculaire de Nisen. Il a été construit entre 1906 et 1910 et sert aux travaux d'entretien de la ligne ferroviaire qui mène au sommet du Nisen. Le dénivelé est d'environ 1700 mètres et le funiculaire met 30 minutes à aller jusqu'au sommet à 2362 mètres d'altitude. Mais par l'escalier, c'est une autre histoire. Passons au nombre de marches de l'escalier, car après tout, c'est ça qui nous intéresse. 11 674 marches. Autant dire qu'on a intérêt de prendre une bouteille d'eau avant de partir. Par contre, si cette vidéo vous donne envie d'aller voir cet escalier, sachez qu'il n'est pas accessible au grand public, mais seulement au service d'entretien du funiculaire. Enfin, pas tout à fait. Depuis 1990, tous les ans, une course est organisée dans l'escalier le plus grand du monde. Le Nisenlauf, qui signifie l'ascension du Nisen par l'escalier, permet aux sportifs les plus chevronnés de s'affronter dans une course jusqu'au sommet. Les plus entraînés parcourent l'ascension en moins d'une heure et peuvent profiter à l'arrivée de la terrasse d'une auberge de montagne avec vue sur le lac et la forêt noire des Hautes-Alpes bernoises. Voilà pour ce record du monde d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Big up les potos!